Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 20 ans et je fais ma première année de BTM pâtissier au CEPROC. J'ai fait un CAP en un an, c'était une reconversion, et j'ai fait ensuite une mention complémentaire pâtisserie, glacerie, confiserie et chocolaterie. C'est un diplôme en apprentissage qui dure 2 ans et généralement on a environ une semaine d'école par mois. C'est une formation qui est en alternance, ce qui permet à la fois d'apprendre et de gagner un revenu en fonction à la fois de notre âge et de notre année de formation. On a différents cours tels que dessin, histoire des arts, gestion, sciences hygiène, techno, études de cas, études de prix. On est 12 par classe, ce qui permet d'avoir une bonne cohésion de groupe. Ça permet également aux formateurs d'être très proches de nous, que ce soit à l'école pour diverses questions, difficultés ou que ce soit en entreprise. Ce qui est cool au CEPROC, c'est qu'il y a pas mal d'événements, que ce soit la Fashion Week, Apprentissaine, et il y a également pas mal de conférences. Donc on peut parler avec des professionnels de différents métiers, leur poser des questions, en fait partager. Après mon BTM, j'aimerais travailler avec des chefs qui ont la même vision que moi et les mêmes valeurs avant de pouvoir ouvrir une sorte de grande maison avec d'autres gens. Durant ces premiers mois au CEPROC, j'ai réalisé que je fais vraiment ce qui me plaît et j'ai vraiment envie de continuer ma deuxième année puisque c'est un métier qui demande à la fois beaucoup de rigueur, d'attention, de passion, de créativité. Enfin, je trouve que c'est un métier qui est merveilleux.